Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser un tarot, un Lenormand et un oracle. Pour le tarot, nous allons utiliser le Chrysalis Tarot qui est un magnifique jeu très coloré dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Et pour le Reflet de Lune et l'oracle Sweet Lady, ce sont deux jeux que j'ai créés, donc vous les retrouvez aussi sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos. On va commencer tout de suite avec une carte du tarot, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Alors, pour vous les Vierges, nous avons le 10 de pierre. Le 10 de pierre, c'est le 10 de pentacle. C'est une carte qu'on aime bien tirer. Parce que c'est une carte qui nous parle de réussite sous toutes ses formes, d'accomplissement dans toutes ses formes, mais vraiment dans toutes ses formes. On est dans un accomplissement matériel, un accomplissement spirituel, et on est aussi dans le partage. On est dans le partage de ce que l'on a gagné, de ce que l'on a compris. On l'offre généreusement autour de soi. Il y a vraiment cette idée de générosité qui est présente ici. Alors, il est aussi question d'héritage, d'obtenir un héritage ou de faire don de quelque chose comme un héritage. Voilà. On peut vraiment parler aussi de recevoir un héritage. Avec le 10 de Pentacle, on est aussi dans cette satisfaction d'avoir réussi. Et puis on prend son temps, on observe, on regarde, et on jubile un petit peu de tout ce qu'on voit. On voit la réussite autour de soi, on voit la réussite en soi, on voit qu'on a réussi à partager également cette réussite, parce que ici la réussite personnelle n'est pas intéressante. La juste réussir soi-même, c'est pas le but. Le but, c'est d'aller au-delà et que cette réussite profite aussi autour de soi. Et ça, c'est très important avec le 10 de denier. Donc, si vous recevez par exemple un héritage ou si vous avez acquis des connaissances, acquis certaines choses, voyez aussi comment vous pouvez en faire bénéficier le monde autour de vous ou les personnes qui vous sont chères aussi autour de vous. Voilà, on n'est pas du tout dans un environnement égoïste ici, on est vraiment dans un environnement comment dire? Je voudrais trouver un terme qui va à l'inverse d'égoïste, mais qui en même temps montre qu'il y a un bel équilibre qui se crée dans ce partage et dans ce don. C'est pas simplement donner pour donner, c'est vraiment pour équilibrer les choses, pour faire plaisir, sans rien attendre en retour que la satisfaction personnelle de justement pouvoir partager ce que l'on a compris, ce que l'on a gagné. Alors on va tirer deux petites cartes pour chaque semaine qui arrive, donc pour les 4 prochaines semaines. Alors, on a la carte de la cigogne et la carte de l'arbre. Peut-être des naissances dans votre entourage ou des annonces de grossesse. Des annonces de grossesse, des annonces de naissance. Ça pourrait tout à fait correspondre à ce duo pour cette première semaine. Sinon, il est également question de bouger, de déménager, de partir d'un endroit. Ça peut être pour les vacances ou ça peut être pour vraiment un déménagement sur du long terme. Et c'est en tout cas quelque chose qui va vous faire du bien à la santé. Si vous bougez, si vous déménagez, c'est parce que vous en avez aussi besoin d'un point de vue santé, d'un point de vue physique, d'un point de vue moral. Vous avez besoin de cette évasion, de changer d'environnement. Ici, vous allez voir que vous allez vraiment tirer un bénéfice. Pour la seconde semaine, nous avons la carte des poissons et la carte de l'ours. Alors, beaucoup d'échanges qui vont se faire ici, des échanges qui vont se faire fluidement. Ça peut être du commerce également qui se crée.
Vous pouvez également avoir des échanges avec une personne de votre entourage que vous, une personne qui a de l'autorité en fait dans votre entourage, hein, ou que vous vous jugez avoir une certaine autorité sur vous. Donc ça peut être par exemple un peu la figure du patriarche ou voilà, du grand-père, de la grand-mère ou du père ou de la mère. Mais en tout cas, une figure comme ça qui fait preuve un petit peu d'autorité dans votre entourage, ça peut être un patron également. Patron, une patronne, voilà. Et vous allez voir que vous allez avoir des échanges qui vont être très fluides avec cette personne. Donc ça va être très agréable. Pour la troisième semaine, nous avons la carte des oiseaux et la carte du chien. Alors là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de papotage avec ses amis. Cette troisième semaine, elle est vraiment sous le cadre de l'échange verbal avec ses amis, avec un ami peut-être en particulier, mais vous allez vous retrouver, vous allez échanger, vous allez discuter, ça va être très positif pour vous d'avoir ces échanges avec des amis, avec des personnes qui vous tiennent à cœur, et surtout des amis fidèles, des amis sur lesquels vous pouvez vraiment compter, qui sont présents pour vous. Quoi qu'il en soit, même si ça fait longtemps que vous n'avez pas discuté avec eux, de pouvoir avoir ces échanges-là, en fait, ça remet tout de suite, tout de suite, vous avez des choses à partager avec eux et c'est très plaisant. Donc voilà, une troisième semaine vraiment sous le signe de la communication, de l'échange verbal et de l'amitié. Donc comptez vraiment sur vos amis pour cette semaine-là. Faites appel à eux si vous en avez, si vous en ressentez le besoin. Pour cette dernière semaine, on a la carte des montagnes et la carte du jardin. Alors la carte des montagnes, ça montre des difficultés, ça montre qu'il peut y avoir des retards aussi dans ce que vous aviez prévu, des choses qui ne se font pas tout à fait comme vous le pensiez. Ça peut être très challengeant en fait pour vous. Et avec la carte du jardin, on a cette idée de communauté, de vie sociale qui est très présente. Donc ça peut être un petit peu là, vous allez peut-être rencontrer des difficultés dans votre vie sociale, dans votre lien avec les autres, des choses qui ne se font pas naturellement, qui ne se font pas finement, sur lesquelles vous allez devoir un peu bosser hein, pour trouver votre place peut-être aussi au sein d'une communauté. Il y a cette idée aussi de devoir surpasser les obstacles, parce qu'on a la première carte qui est celle de la montagne et la deuxième celle du jardin. On a un petit peu cette idée que d'abord on franchit les obstacles et ensuite on a vraiment aussi quelque chose d'apaisant qui arrive. On ne le fait pas pour rien, il y a vraiment aussi cet apaisement qui est là et qui est vraiment à portée de main pour vous. Donc il peut y avoir aussi cette double lecture hein, de le voir comme une première étape et de le voir comme une seconde étape, ce jardin. Après avoir gravi les montagnes, on accède au sommet et au sommet, il y a un magnifique jardin qui vous attend, par exemple. Voilà. Donc persévérer. De toute façon, avec la carte des montagnes, on est dans cette idée de quoi qu'il arrive, devoir persévérer. Ne lâchez rien. Vous allez y arriver, ne lâchez rien. Alors, on va prendre une petite carte du Sweet Ladies pour avoir une indication pour ce mois-ci, un petit conseil pour ce mois-ci de l'oracle. Alors on a cette carte-là qui vous parle de reflet, de miroir. On a le miroir, on a le reflet. Qu'est-ce qui se reflète en ce moment? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez dans le miroir? Ça peut être bon de travailler sur votre image, par exemple ce mois-ci. Dans le sens où, par exemple, si vous êtes un peu, si vous vous sentez pas très bien, se mettre devant un miroir et avoir un mantra à se répéter pour justement un petit peu se booster, se redonner de l'énergie. Donc ça peut être très bénéfique pour vous. On parle ici aussi de votre relation à l'autre. De votre relation à l'autre parce que l'autre est un reflet de soi-même. On fait souvent beaucoup de projections aussi sur les autres. Et justement, c'est le bon moment pour vous de voir un petit peu comment se jouent les relations que vous avez avec d'autres personnes, avec les personnes qui vous entourent.
de voir un petit peu ce que vous projetez peut-être sur les autres et d'essayer d'assainir un petit peu ce lien. Qu'est-ce qui appartient réellement à l'autre et qu'est-ce qui est de l'ordre de votre propre projection? On ne voit pas toujours les gens tels qu'ils sont, on les voit souvent ou on les imagine souvent tels qu'on aimerait qu'ils soient ou tels qu'on en aurait besoin qu'ils soient pour pouvoir s'appuyer sur eux. Donc là, c'est intéressant justement de voir un petit peu quel lien on fait avec les personnes qui nous entourent, quelle projection on peut faire sur eux et assainir au maximum justement cette relation, ce lien, ce reflet aussi de nous-mêmes. Voilà. Et j'aime bien parce que quand même ici, on a ces deux petites fillettes très complices. Donc on a aussi cette idée de lien d'amitié qui est présente et dont on parlait avec le Lenormand. Donc il y a aussi, moi, pour moi, je trouve là, cette idée d'amitié, de pouvoir aussi compter sur ses amis, parce que ça fait vraiment très écho aussi avec ce qu'on a vu précédemment. Donc l'amitié va être aussi au cœur de votre moi. Et faites attention justement à ne pas projeter sur vos amis vos peurs, vos besoins, vos pensées, et de créer de merveilleux liens comme ça les uns avec les autres sans faire de projection. Voilà pour vous les Vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye !